dernières secondes pour voir le coach d'Avignon, un coach heureux. Oui, non, non, on savait que c'était un match important. Olivier, à la 78e minute, vous avez raté une transformation. C'est votre seule erreur de la partie. Je la prends mal, je le sens au coup de pique, elle part mal. Et après, comme il m'a dit mon porteur de tir, il m'a dit attention, le vent il a calé. Et c'est, il avait raison. À côté de ça, le club d'Avignon a fait un match remarquable, maîtrisé de la 10e à la 80e minute. Merci, ouais, c'est vrai que je pense qu'on est bien rentré dans le match. On prend que deux points, quoi, on prend les deux points d'entrée, après on prend un essai. Bon, on a subi, on a joué à 12 pendant un moment. Mais après, on est très fiers parce qu'on a su alterner les fixations et le jeu au large. Donc je pense que c'est un match accompli. Votre coach, je le disais, c'était un match important à ne pas rater. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous êtes en concurrence directe avec Villeneuve, notamment pour l'accession aux phases finales. C'est mission remplie, non ? Voilà, comme vous l'avez dit, c'est un concurrent direct. Après, on est monté crescendo. À Lézignan, on fait un gros match, on montre la solidarité. Là, on était chez nous, c'était obligé de gagner. Comme concurrent direct, on est obligé. Et surtout qu'on a réussi à leur enlever le point de bonus défensif. Donc je pense qu'on est très satisfait de notre performance. Je vais passer une écho début de semaine. Je vais voir, j'espère que ce n'est pas très grave. Si ce n'est pas les ligaments, ça va. C'est juste une élongation, ça ira, on verra. Et la deuxième question, ben, de par votre position, vous étiez observateur aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de la prestation de votre équipe ? Ben, très déçu parce qu'on s'attendait à faire une performance ici. Le pire, ça aurait été prendre un point de bonus. Le mieux, ça aurait été de gagner. Au final, on prend un score qui est très très large, très très lourd. Forcément très déçu parce que c'est des conquérants directs et on se tenait de faire un bon match. Je pense que voilà, ça arrive de passer à côté, on va se remobiliser et faire en sorte de faire une bonne semaine d'entraînement parce qu'on reçoit Albi la semaine prochaine. Je pense que c'est un match à oublier fortement et se remettre en question et faire ce qu'il faut dès mardi à l'entraînement pour gagner Albi le week-end prochain à la maison et être en forme pour la suite du championnat. Elisa Siria au commentaire et Rémi Messeguet au commentaire nous ont fait remarquer qu'à 5 reprises, vous avez été à 10 cm de l'essai. C'est quoi ce petit détail qui vous a manqué ? Je sais pas, je dirais plus que c'est peut-être un manque de concentration, de finir mieux, mieux faire ses finitions. Qui nous permettrait de marquer un essai. Je pense que le score n'aurait pas été le même si d'entrée on marque sur le jeu au pied là-bas. Derrière on prend 3 pénalités, un essai de 100 mètres. Donc ce qui manque, peut-être de la concentration, peut-être les 6 heures de bus, je ne sais pas.